Yo les gens, c'est The Phoenix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo un peu particulière. Je vais vous présenter un peu mon casier et on ira vite fait faire une partie en solo, vite fait. Pour ceux qui me suivent, je serai en live de 15h30 à 19h, pardon, sur Twitch sous le nom de The Phoenix 210 qui sera marqué dans le lien de la description. Alors, on va aller dans le petit casier. Donc, je vais pas vous nommer tous les personnages, je vous les montre vite fait. Donc, j'ai le Molosse, j'ai la Valkyrie, j'ai Deadpool, Calamité, Midas, Maya, Fusion, Corbeau, Chef Équipe Rose, Carburo, Nomade, la Pâture de Guerre, j'ai Harley Quinn que j'apprécie pas mal, comme le Corbeau, j'ai Ardent Agent Rebelle, j'ai Brutus qui est en or et Brutus qui est en skin fantôme, Midas je l'ai en skin ombre. Nous avons Camailleux et Allure, donc voilà, plutôt beau skin. Nous avons Mister Banane, nous avons Miaouscle qui est aussi en skin ombre, aussi je l'ai. J'ai Faucon, nous avons Fugitif, DJ Lama, La chasseresse, oh la vache. Nous avons Optucle et Skyche. Nous avons Sky, un des skins que j'apprécie beaucoup. Je pense que vous l'avez remarqué dans mes vidéos. Nous avons Tina. Nous avons Burbot, qui est plutôt pas mal. Nous avons Pogé et VS Incrépide. Nous avons Briseur de l'âme, nous avons Nocturnal, nous avons le Pascal de guerre, qui est plutôt sympa, quand vous tuez quelqu'un, il chante, et ça c'est plutôt cool. Nous avons Panacé et Toxique, qui est vraiment pas mal, joli skin. Ils devraient les faire encore plus moulants leur skin, quoi, Fortnite. Et nous avons Marin et Ceska, Ruskar. Donc voilà, après, bon, bah les sacs à dos, j'ai pas mal de sacs à dos. Donc j'ai les ailes ardentes, j'ai la cape ardente, j'ai le... Voilà, pas mal de... J'ai les katanas de Deadpool. Nous avons l'orbe de fusion, j'ai la boule de 8, j'ai la bataille à Pascal. Voilà, je pense que tout le monde, connaît... minimum les sacs. Celui-là, le commando corail, qui est plutôt sympa, il fait partie du poisson, donc qui est vraiment sympa, qui est plutôt cool. Voilà, après nous avons les armes, donc l'arme de Sky, nous avons les deux armes de Harley Quinn, donc sa masse et sa batte de baseball, voilà, qui est plutôt sympa. Nous avons les maillets juteux. Les maillets. Bah ouais, maillets juteux. Ok, je... Ça aurait pu appeler ça les maillets de Deadpool, mais bon, ok. Donc, la reine d'or, après, voilà, il y a plusieurs haches. Comme je disais la dernière fois, j'étais en train de jouer. Nous avons aussi les armes de Brutus. Ouais, c'est plutôt sympa. Il y a beaucoup de nouveaux trucs. Et en plus de ça, ils varient. C'est plus que des pioches, en fait. Vous pouvez jouer à... Bah, c'est des pioches. Ils font partie des pioches. Mais c'est bien d'avoir des armes doubles, par exemple. C'est plutôt sympa. Plutôt sympathique de jouer avec deux armes ou une arme.
Donc après, au niveau planeur, bon bah niveau planeur, j'ai le pyro dragon, j'ai voilà pas mal de petits skins, pas mal de voilà, je vous les montre rapidement. Et c'est pareil au niveau des planeurs, ils sont quand même bien améliorés. On est passé de planeurs voilà comme ceci à des trucs comme ça, des trucs comme ça. Des trucs voire dragon et voire des trucs qui bougent tout le temps, ça c'est plutôt sympa. Même ça, même le poisson, le holly quand vous avez Sky, c'est son chapeau qui s'enlève et c'est plutôt agréable en fait, c'est plutôt sympathique en fait d'avoir un chapeau qui s'enlève et que ça se transforme en planeur, c'est plutôt cool. Bon bah ça par contre au niveau des trucs pour sauter, j'ai pas grand chose. Donc après bon j'essaye de mettre de façon que ça soit un minimum respectueux sur les personnes. Après j'ai pas mal de chansons. Donc sur mon scooter, après donc ça voilà. Le lama, la danse. Hein. Donc après nous avons les ailes. Je le passe vite fait parce que il serait capable encore YouTube de nous dire ah copyright, ah bon copyright. Donc j'ai un minimum, j'ai pas tout de Deadpool, mais voilà. La grenade, nous avons ça. On s'appelle. Ça, ça. Après, bon, après, qui c'est qui connaît pas? Il y a pas mal de trucs et je pense que beaucoup de personnes les ont. Après, bon, les panneaux pour modifier les trucs, ça peut être pas mal aussi. Nous avons aussi des CD. Nous avons aussi pas mal d'images, j'allais vous dire. J'ai voir beaucoup d'images qui est plutôt sympathique. Qui est plutôt sympathique. Donc voilà. Donc on va se lancer une game. On va pas durer trop longtemps non plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, de partager, de mettre la cloche de notification, de laisser un petit commentaire. Alors j'ai montré mon casier parce que je vous explique un truc. C'est qu'hier j'étais en train de jouer, hier il était 23h et des bananes. Et je reçois une invitation sur la console. Et une invitation pour rejoindre la groupe. Et donc je remercie la personne, je l'ai rajouté en ami, tout ça. Et il m'a demandé, parce que c'était au début, c'était pour me demander comment faire pour le, comme je vous avais dit, les glitches, bah, comment avoir des jeux gratuits. Alors, c'est pas vraiment. Alors, j'ai vu des commentaires en long et en large. De toute façon, je vous ai laissé un pavé, vous irez lire. Mais il y a certaines choses à faire et d'autres choses à ne pas faire. J'ai vu qu'il y en avait un qui m'avait proposé de faire une vidéo comment avoir des jeux gratuits. Mais sans passer par des personnes, et c'est pas la meilleure chose. Ça va, tu te gênes pas trop, toi? Donc voilà, c'est pas une chose à faire. Il y a certaines choses qui, voilà, à respecter. Si vous commencez à pirater votre console ou quoi que ce soit, c'est pas la meilleure des choses. Un peu le son parce que là ça devient n'importe quoi. Alors on va sauter où? On va aller là. J'essaie de débloquer toutes les zones. Donc c'est pas grave si j'ai pas. Pas grave si je fais pas top 1 ou quoi que ce soit, mais au moins que je puisse faire au moins un kill.
ça remplit carrément le. Ouais, mais le truc, c'est qu'il n'y a plus rien là. Pourquoi ils ont fait une zone où. Ils ont fait une zone où là, il n'y a vraiment plus que. Plus rien du tout, donc c'est n'importe quoi. Je vais aller chercher les armes qu'il y a là-bas. Oh bah ça va, on n'est pas loin de la zone. Mais bon, c'est pas avec ce que j'ai comme arme que je vais aller faire grand-chose. Allez. Oh, ça bug un peu. Ça bug un peu. Je sais pas ce qui se passe. Alors depuis qu'on a eu, parce que je vous explique un truc, mardi, ouais, mardi, j'ai pas livé ou j'ai pas fait de vidéo. Alors je vous explique pourquoi. À côté de chez moi, apparemment, il y a une personne, le bastion de Brutus. Ok, donc ouais, sympa la zone. Et en fait, le câble est tombé, a dû tomber sur un de mes câbles. Et le truc, c'est qu'en fait, bah, ça m'a fait disjoncter le. Ça m'a f... Ouais, ça m'a fait disjoncter la zone. Ça m'a fait disjoncter le. Mon groupe, en fait. Mon truc électrique. Et en fait, je me suis retrouvé sans courant, sans rien, sans rien du tout. Donc voilà. C'était un peu. Ça m'a fait bizarre, en fait. J'étais en plein jeu, j'étais en train de. Je sais plus sur quoi j'étais, je crois bien que j'étais sur. Je sais plus quoi. Je sais plus ce que j'avais. Je sais plus sur quoi j'étais. Mais ça m'a. Ouais, ça m'a surpris. Ça m'a surpris et. Ouais, déjà 50 survivants. Déjà 50 survivants, c'est. Ça se tire, ça tire, ça tire à côté. J'ai pas d'armes, j'ai rien. Ah, j'ai rien. Si, j'ai quelque chose, mais si je pouvais avoir un truc un peu mieux. Et quelques popos aussi, ça serait sympa. Câble.
c'est quoi cette pompe là qui m'a pas loupé d'une fois là? Attends, il s'était planqué dans le machin, il a réussi à me caler deux balles? Comment il savait que j'étais là? Non, bah c'est pas grave. 300, c'était juste une petite partie pour... Voilà. J'ai quand même eu un kill et ça, c'est plutôt, voilà, plutôt rapide. Et ça va, j'étais pas trop loin de la zone, donc c'était plutôt cool. Donc voilà, donc on se retrouve pour 15h30 sur Twitch. Donc 7 day today. Donc jeu de zombies, on va continuer notre petite aventure. J'avais fait déjà ma petite vidéo pour prévoir que j'allais faire une petite vidéo dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche de notification, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Les commentaires surtout pour m'aider. J'ai vu que pas mal de personnes regardaient tout ça, surtout pour la vidéo. La vidéo comment avoir des jeux gratuits. Le truc c'est que ce n'est pas... moi je n'ai pas fait... vous n'aurez jamais, jamais de vidéo où je vais vous expliquer un truc et en fait c'est juste des conneries. Mais je vais déjà me renseigner. Ce serait déjà un truc que j'aurais déjà pratiqué. Donc le truc d'avoir des jeux gratuits. Bon, c'est peut-être pas avoir des jeux gratuits, mais c'est au moins si vous voulez avoir par exemple des jeux qu'un de vos potes a et que vous ne pouvez pas l'avoir parce que c'est trop cher et puis que votre pote a pu l'acheter, ça peut être un bon truc. Par exemple, je sais pas, Ark, des jeux qui sont volumineux et qui sont vraiment très chers et que vous pouvez pas le payer, ben vous pouvez demander à votre pote, ben voilà, est-ce que ça te dérange qu'on se partage nos comptes console? Alors ça ne sert à rien. J'ai vu des commentaires de demander, ouais, ben t'as qu'à recréer un compte. Non, si je recrée un compte, le truc du recréer un compte, en fait, il faut avoir le compte principal. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça c'est strictement à rien de demander. Bah voilà. Tiens, demande. Fais-moi ci, fais-moi ça. Donc ça sert strictement à rien. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez plus d'infos, moi je peux toujours répondre. Je peux toujours répondre tout ça. Si vous avez des idées à me proposer, vous pouvez toujours me proposer. Mais voilà, faut pas que ça soit du tabou ou des trucs comme ça ou des conneries comme je sais pas des jeux ou qui coûteraient 70 boules et puis que je puisse pas vous le dire. Bon bah voilà, je te le fais, mais le truc c'est que comme je vous ai déjà dit, c'est que si vous me proposez un truc, c'est que ça sera peut-être pas du jour au lendemain quoi. Donc voilà. Allez, peace les gens, c'était The Phoenix. N'hésitez pas à faire le nécessaire pour cette chaîne. Et à la prochaine, les gens, c'était The Phoenix. Et je vous remercie encore pour les 60 abonnés. Et pour ceux qui n'ont pas encore été sur ma chaîne, bah, n'hésitez pas à cliquer sur les anciennes vidéos. Donc la vidéo précédente et la vidéo qui est sortie il y a 3-4 jours, je pense que je mets. Ça dépend en fait, ça dépend des vidéos en fait, ça dépend comment elle était regardée, tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et si vous voulez plus d'infos sur ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le milieu. Et à la prochaine, les gens.